Salut à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo consacrée à Jurassic World Evolution, qui est un petit jeu de stratégie que j'ai adoré. Si vous avez lu mon blog, il y a une critique d'ailleurs, un test du jeu, qui se démarque complètement des films, ce qui est un bien, parce que franchement, autant je suis fan du Jurassic Park original, autant les Jurassic Park 2 et 3, et surtout les Jurassic World, je considère ça comme de la grosse daubasse. Que Michael Crichton, qui a écrit les livres, à mon avis, il doit faire des bons, mais rien qu'en pensant au film, bah, c'est hallucinant, à moins qu'il touche un chèque suffisant pour le calmer. Bref, là n'est pas la question. Jurassic World Evolution, qui est un jeu extrêmement sympathique. Je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, comment, les valeurs de bien-être des dinosaures, en quoi ils sont importants, et comment on peut faire cohabiter les dinosaures ensemble. Donc là, je prends ce parc qui est un parc que j'ai fait évoluer, qui est pas sur l'île finale, mais que j'ai fait évoluer le plus possible. Et sur lequel, surtout, qui me sert de terrain d'essai pour faire du cache et pour aller chercher les fossiles. Et du coup, j'ai pu faire des mélanges de dinosaures. Alors, on va... santé fragile, oui, d'accord. Qui a une santé fragile? C'est toi, l'ankylosaure. Que je fasse gaffe, parce qu'une fois, j'ai appelé ça un ankylosaure et ma fille était juste derrière. Et c'était le drame parce que du coup, ankylosaure, papa. Là, tu fais, non, chérie. Ah oui, il a faim parce que je n'ai pas les bons arbres. Voilà, il peut pas manger, le pauvre. Il peut pas manger. On va vite corriger ça. Et on va revenir tout de suite à nos moutons. Hop, tiens. Vas-y, va bouffer, ça te détendra. Oui, ça va, j'ai compris, vous pouvez pas manger. Ça va, c'est là. Allez manger, faites pas chier. Bref, comment faire cohabiter tout ce petit monde? Alors là, par exemple, on a l'enclos, c'est mon enclos d'herbivores. Concernant les herbivores, il n'y a vraiment pas de règle. C'est vous pouvez y aller, ils sont tous potes. Le seul truc, c'est que voilà, ce qui vous intéresse, c'est le confort. Et le confort dépend de plusieurs choses, qui sont ses valeurs. Prairie, forêt, population et interaction. Alors les prairies, bah, c'est les espaces, hein, forcément sans forêt. Merci, bravo, Captain Obvious. Donc il y a toujours cet équilibrage. Donc vous allez devoir planter les arbres ou en détruire. Hein, vous pouvez faire ça. C'est très facile dans l'interface. Je pense pas que j'ai besoin de vous montrer ça quand même. Mais il faut veiller donc à ce que chaque espèce ait sa dose de prairies et de forêt. La population, bah, c'est en fait le nombre de dinosaures de la même espèce qu'il faut. Et les interactions, donc c'est bah voilà, ils ont besoin de se parler, ces petits gars. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre de dinosaures. L'interaction marche que sur votre espèce. Hein. Ils ne peuvent interagir qu'avec leur propre espèce. Si vous peuplez l'enclos d'autres espèces, ils ne pourront pas interagir ensemble. Donc voilà, il faut veiller à ce que cette valeur soit maintenue. Alors il y a une petite astuce, c'est quand vous produisez, si vous pouvez produire à la base 2 par 2 seulement les œufs, et incuber que 2 par 2. Si vous avez une espèce qui a besoin bah, d'être au moins 3 ou 4, l'idée c'est que s'ils se révoltent, vous pouvez envoyer l'hélico et les endormir. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vos dinosaures sont pas dans leur zone de confort, donc qui dépendent de ces valeurs qu'on a vues, ils vont enfoncer les clôtures. Et quel que soit le type de clôture que vous allez mettre, bah, ils vont les enfoncer. Ils en ont rien à péter, ils vont tout défoncer, même les clôtures solides. Donc ça sert à rien de vous dire je vais mettre une espèce malheureuse avec des clôtures en béton, elle va passer à travers, quoi qu'il arrive, elle les pétera. Alors que s'ils sont heureux, ils n'ont pas forcément besoin de clôtures extrêmement grosses. Donc il n'y a pas de souci sur ça, il faut juste veiller à ce que voilà, leur confort soit atteint et que ces valeurs donc de prairie, de forêt, de population et d'interaction soient ok. C'est-à-dire sur la population, l'interaction c'est sur une même espèce, la population je suis pas certain que c'est sur la même espèce, je vous ai peut-être dit une connerie à voir, mais bon c'est surtout la valeur d'interaction qu'il va falloir faire gaffe parce que de fait si la valeur d'interaction est respectée, celle de population elle est respectée. Hein, y a pas de, j'ai pas vu d'exception à ce cas-là. Alors pour les herbivores, vous pouvez foutre tout le monde ensemble, hein. Rien à péter, ça marche très bien. Oui, vas-y, donne ta mission, merci, bâtard. Merci bâtard, comme on dit dans le 9-3. Là où il y a des petites variations, ça va être sur les carnivores. Regardez par exemple, ici j'ai un enclos avec les Deinonychus, donc qui sont hein, de la famille des raptors, qui est considéré comme un petit carnivore. Je peux mettre avec eux un ceratosaure. Il n'y a pas de souci. Parce que le ceratosaure, bah, il est gros, il est plus lent, il va essayer de chercher la mouise des Deinonychus, mais
il les chopera jamais, les Deidonychus courent beaucoup plus vite. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Donc vous pouvez faire cohabiter ça. Par contre, vous ne pouvez pas mettre un deuxième. Les grands carnivores ont tendance à être solitaires. Vous voyez que lui, il est tout seul. Ça se passe très bien au niveau interaction. Il n'a pas besoin de parler à des potes. Hein. C'est le mec, j'aime pas la vie, j'aime pas les gens, rien à battre. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Un grand carnivore se met tout seul. À la différence des Deidonychus, qui ont besoin d'être en groupe. D'être au moins 3 ou 4. Vous voyez, ils ont une grosse valeur d'interaction. Enfin, une grosse... Donc ils ont besoin d'être 3 ou 4, ce qui fait que par exemple les Deidonychus, comme je pouvais les sortir que par deux, j'ai dû endormir les deux premiers, le temps de faire un troisième. À ce moment-là, il y a une technique, hein, dès qu'ils sont endormis, en fait, il faut prendre l'hélicoptère de transport. Donc vous les prenez, vous les redéposez dans le même enclos. En fait, ils se réveilleront jamais tant qu'ils prennent pas l'hélicoptère de transport. Donc l'hélicoptère de transport les chope, les remet dans le même enclos, ils se réveillent. C'est la magie. Et du coup, bah, le temps que le troisième sorte, bah, c'est bon. Vous pouvez donc mettre ça, voilà. Par exemple, j'ai un enclos avec les Deidonychus et un Ceratosaur, et ici... non, pas là, pardon, excusez-moi. Où tu es là. J'ai un enclos avec un T-Rex, pareil, qui est une espèce qui vit très bien seul. Si vous mettez un deuxième T-Rex avec, ça se passe pas forcément super cool. Et dedans, il y a d'autres dinosaures qui sont, ouais, ici. Les... Non, attends, on va se concentrer, respirer un gros coup. Les Dilophosaurs. Ou Dilophosaurus, hein, si vous voulez vous la jouer en latine. Donc il n'y a pas de soucis, c'est pareil, eux ils sont petits, ils échapperont toujours au gros T-Rex. Il n'y a pas de problème. Le gros T-Rex pourra jamais les choper. Donc là vous pouvez avoir des enclos mixtes. Par contre on ne met jamais deux espèces de dinosaures, de petits dinosaures ensemble. Si je mets le Diplosaurus à tes souhaits, et pourquoi clôture endommagée, bordel? Qu'est-ce que tu fais toi? Ah bah oui, il a faim. Donc il a faim, forcément il essaye de se barrer, bâtard. Ah, reviens là. Bah oui, j'avais pas les bonnes plantes. Donc on va intercepter tout de suite ce petit goujat. Voilà, on va réparer ça parce qu'entre temps j'ai quand même mis les bonnes plantes. Hein. Ah là là, administre un tranquillisant, ajouter une tâche, tu vas me tranquilliser ça aussi. Excusez-nous pour cette interruption involontaire. Voilà, on va réparer le bousin. Bref, on en était où? On en était à... Vous ne mettez pas deux petites espèces de carnivores ensemble. C'est les Diplophosaurs, les Yatesouais, là. Je les mets avec des Raptors ou avec des Deidonychus, ils vont se battre. Donc deux espèces de petits carnivores ensemble, c'est juste pas possible. Deux grands carnivores ensemble, c'est juste pas possible. Mais vous pouvez mettre un grand carnivore et un petit carnivore, il n'y a pas de souci majeur, ça marche très bien. Le gros ne chopera jamais les petits, ça se passe. Autre possibilité, les petits carnivores, donc tout ce qui est des Deidonychus, Vélociraptor, les autres là, j'arrive pas à retenir leur nom. Des dinosaures, vous pouvez voir des noms cool, ça serait sympa. Enfin bref, ceux qui étaient là avec le T-Rex, ah, tiens, en voilà un. Les Dilophosaurus, vous pouvez sans souci les mettre par exemple avec un herbivore cuirassé. Parce que l'herbivore cuirassé, comme là ceux qui sont en train de se barrer, les ankylosaures, il n'y a pas de souci, ils pourront pas attaquer l'ankylosaure qui est blindé. Donc tous les dinosaures à carapace en fait. Vous voyez les dinosaures, tous les dinosaures qui sont carapaçonnés, ils peuvent aller avec un grand carnivore. Voilà, si vous avez vraiment envie de jouer les kékés avec un carnivore qui va essayer d'affronter un herbivore mais qui pourra jamais, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, ça ce sont les règles de cohabitation. Si vous vous rappelez que des petits carnivores, une famille de petits carnivores peut aller avec un grand carnivore. Les petits carnivores peuvent aller avec les dinosaures blindés. Et tous les herbivores peuvent aller ensemble. Voilà, ce sont les règles de cohabitation dans Jurassic World Evolution. Après, il y a des avantages, par exemple, à déclencher des combats de dinosaures. Moi, perso, j'aime pas ça parce que je considère que je suis en train de faire un zoo, hein, en fait. Et dans un zoo, dans la vraie vie, on met pas le tigre avec la gazelle sous prétexte que ça va faire marrer Jean-Michel Bidochon. Désolé à tous les Jean-Michel qui verront cette vidéo. Bref, Jean-Michel Bidochon, on s'en bat la rate, on fait pas ça. Quoi. Donc moi, je ne fais pas de combat de dinosaures. Vous avez des chaînes qui vous proposent des tutos sur les combats de dinosaures. Moi, je fais pas ça, je ne vous le montrerai pas. Donc je vous contente de vous montrer comment on habite en bonne harmonie. Voilà, et ben j'espère que cela vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.